parti pour la descente. Alors, piste jusqu'à ce qu'on domine l'Embrusse, et puis après ce sera un fond de vallon. Ah, vous verrez. Descente est sympa, le seul souci c'est ces piquets de fer à béton tout le long du sentier, faut pas se manquer. Et l'Embrusse tout au fond. Là, faut avoir confiance aux pneus. D'ailleurs, ça se voit. Ça a tendance à descendre. Passage un peu délicat. Voilà, c'est là que c'est en haut. Moi, je suis passé en bas. Ah, c'est merde. Ah, d'accord. Il n'y avait même pas de chemin. Joli petit chemin. Là, dans le même passage, là, ça remonte un chouïa. Et on va déboucher au col de Séoul après une petite remontée d'une cinquantaine de mètres. Alors on arrive au col de Séoul. On vient de, en gros, de l'Embrusse et on va sur cet auvernier pour descendre. On va pas prendre la piste que l'on voit là, mais là où il y a Robert, le fond du vallon, ça descend fort mais c'est beaucoup plus rigolo. Voilà, c'est tout long comme ça.